Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue sur le rosaire. Ce soir, c'est mardi, le premier mardi du mois, et du coup, nous prions, comme chaque premier mardi du mois, un rosaire. Donc, soyez les bienvenus à Rosaire, c'est donc 4 chapelets. Si vous venez pour la toute première fois, on est en live aussi chaque soir pour un chapelet ce coup-ci. Et si vous désirez tout simplement de nous suivre, le plus simple, c'est de s'abonner juste en bas à droite de la petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce pour supporter et très très bon rosaire. Et bonne fête à toutes les personnes qui s'appellent Faustine, et spécialement bienvenue aux personnes qui ont pioché Sainte Faustine cette année, qui nous rejoignent ce soir. Oui, exactement. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous, effectivement, pour ce rosaire. Alors, quel en est le thème? Eh bien, c'est celui de toutes les causes désespérées, c'est-à-dire toute situation qui nous semble inextricable, tellement compliqué qu'on se dit personne ne peut défaire ce nœud, eh bien rien n'est impossible à Dieu. Donc bienvenue à ce rosaire parce que nous allons confier toutes ces choses que vous portez. Jésus a dit lui-même, venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous soulagerai. Alors venons ce soir puiser eh bien aux eaux du repos, le repos du cœur, la paix et la joie. C'est parti, nous allons commencer avec l'introduction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous commençons avec les mystères joyeux avec Catherine. Tout à fait. Alors, premier mystère joyeux, l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Alors, nous prions ce rosaire pour les causes désespérées. Je crois que Marie est pour nous l'exemple parfait de l'espérance. Elle a espéré contre toute espérance. Et d'ailleurs, je crois que la tradition dit que la Vierge Marie, déjà petite, espérait être la servante de celle qui allait porter le Sauveur. Elle ne se doutait pas que ça allait être elle, mais elle espérait être la servante de cette femme-là. Et voyez, Dieu s'est plu, eh bien, à la combler au-delà de ses désirs. Il a vu son humilité, sa confiance, et il lui a donné plus que les désirs de son cœur. Et dans nos vies, chers frères et sœurs, c'est la même chose. Dieu se plaît à nous combler au-delà de nos espérances, à nous combler au-delà même de nos désirs. Alors gardons confiance et prions cette première dizaine, eh bien, avec reconnaissance pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à Élisabeth. Marie reçoit cette annonce de l'ange Gabriel que sa cousine est aussi enceinte et elle accourt, elle lui rend visite. Eh bien, j'aimerais vous proposer que dans cette dizaine, nous puissions tout simplement déposer chacune de nos situations à la Vierge Marie pour qu'elle nous visite, pour qu'elle vienne nous aussi nous apporter son aide. Et même nos situations qui nous paraissent les plus compliquées, les plus désespérées, vous allez voir que Marie va être très attentive, elle va entendre la prière de telle personne. « Ah tiens, tel enfant est malade, j'y accours. Telle famille a besoin de mon aide, j'y accours. Telle personne recherche un travail désespérément, j'y accours. » Alors confions toutes nos situations avec pleine confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous redonne l'espérance, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère joyeux, la nativité de Jésus. Alors, on ne peut pas dire que le contexte de la nativité de notre Seigneur s'est fait, a été tout rose. Hein. On sait très bien que c'était même les conditions matérielles étaient et c'était des mauvaises conditions matérielles. On sait qu'il y avait déjà des personnes qui en voulaient à la vie de l'enfant. Peut-être que pour Marie et Joseph, ça n'a pas été vraiment facile toujours. Et nous aussi, dans nos vies, on a des situations qui sont parfois bien compliquées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se réunit ce soir pour prier. Mais regardons Marie, regardons Joseph. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je crois qu'ils contemplaient Jésus. Ils contemplaient et ils ne cessaient de garder leur regard fixé sur Jésus. Et ce soir, nos situations ont beau être vraiment très compliquées, mais je crois que Jésus vraiment nous demande une seule chose. Eh bien, c'est de le regarder, lui. Il nous promet que si nous recherchons Dieu avant toute chose, eh bien, tout le reste nous sera donné par surcroît. Alors, demandons-lui cette grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Voilà que que Marie et Joseph viennent présenter Jésus, ce trésor inestimable qu'ils ont reçu du Père. Ils viennent rendre grâce, l'offrir, le présenter au temple. Et nous, frères et sœurs, nous aussi, nous avons vraiment à rendre grâce dans nos vies. C'est vrai que parfois, nous voyons bien souvent ce qu'il ne va pas et on n'arrive pas toujours à voir ce qu'il va, et pourtant Dieu nous comble de bienfaits. C'est comme si on regardait à travers la fenêtre, on a un paysage qui est magnifique, puis voilà qu'on a un arbre qui se plante là devant et qui cache
tout le paysage. Mais vous savez, dans nos vies, cet arbre, à un moment donné, viendra le moment où Dieu va l'abattre, il va exaucer notre prière. Mais n'attendons pas ce moment pour déjà rendre grâce pour tout le reste qui est derrière, voyez. Et je crois qu'en rendant grâce, eh bien, on attire aussi la bénédiction de Dieu sur nous. Alors tout simplement, essayons de nous remémorer tous les bienfaits de Dieu et remercions-le. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Fruit du mystère, eh bien, on va demander la grâce de la patience dans nos épreuves et la persévérance. Regardez, Marie et Joseph ont perdu Jésus pendant 3 jours. C'est quand même énorme pour une maman, pour un papa, de perdre son enfant et d'avoir cette angoisse-là pendant 3 jours.
Enfin, je vous laisse imaginer, enfin, vous le savez même mieux que moi. Mais voilà, pour dire que je crois que Marie ne s'est pas découragée et c'est un exemple pour nous. Joseph ne s'est pas découragé et c'est un exemple pour nous. Alors dans cette dizaine, demandons eh bien, de voilà, être patient, d'être persévérant et de savoir pertinemment voilà, que les temps de Dieu ne sont pas nos temps à nous. Dieu est infiniment sage, il sait ce qu'il fait, et s'il ne répond pas immédiatement à nos prières, eh bien c'est pour une raison. Mais faisons-lui pleinement confiance, encore une fois, en cette fête de Sainte Faustine qui a tant parlé de la confiance en Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous invite à la confiance, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons chanter les deux derniers « Je vous salue Marie ». Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, Iesus. Et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Nous arrivons à la fin de ce premier chapelet, les mystères joyeux. Et juste avant d'embrayer sur les mystères lumineux, je me disais que peut-être certains parmi nous se disent « mais je prie, et j'ai beau prier pour une intention particulière, je ne suis pas entendue, je ne suis pas exaucée », comme en parlait Catherine. Eh bien, qui sait, peut-être que ce soir, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase dans le bon sens du terme. Vous savez que Jésus aime bien les vases qui sont à ras-bord. On se souvient, aux noces de Cana, il a demandé que ce soit rempli à ras-bord, et c'est seulement une fois rempli à ras-bord que l'eau s'est transformée en vin. Et oui, une fois que c'est à ras-bord, ensuite ça déborde. Comme dit le psalmiste, ma coupe est débordante. Et alors toutes ces grâces qui se sont accumulées dans le vase grâce à vos prières, au bout d'un moment, elles finissent par rejaillir et retomber sur ceux pour lesquels vous avez prié. Donc ne vous découragez pas, cela prend un certain temps, effectivement. Le Seigneur remplit les coupes en ce moment. Peut-être certains, la coupe est arrivée à vraiment ébullition et ça va jaillir dans tous les sens, vraiment. Ayez grande confiance, ne vous découragez pas parce que le Seigneur entend et chaque prière est comptée. Amen. Nous allons enchaîner avec les mystères lumineux, Bénédicte. Et vous êtes en ce moment plus de 4900 en connexion simultanée des 5 continents. Donc continuons cette prière entre les nations, entre les âges intergénérationnels. Et puis on va accueillir aussi d'autres personnes pour la prière du rosaire. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Et pour ce mystère, nous pouvons confier toutes les personnes, particulièrement je pense aux grands-parents, qui souhaiteraient voir leurs petits-enfants baptisés. Et oui, parfois, malheureusement, leurs enfants n'ont pas forcément la foi et ils aimeraient vraiment transmettre leur foi à leurs petits-enfants également. Alors prions que toutes les situations puissent se débloquer et que le Seigneur puisse créer une voie là où il n'y en a pas. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Et dans ce mystère, nous méditons souvent sur l'intercession de la Vierge Marie pour ce couple, pour ces mariés qui où le vin pour son mariage où le vin manquait. Et nous pouvons également confier toutes les personnes qui sont en recherche de vocation, toutes les personnes qui ne savent pas encore là où ils sont appelés, là où le Seigneur les appelle. Et nous pouvons demander à la Vierge Marie d'être une aide, un soutien pour toutes ces personnes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Pour cette dizaine, nous pouvons eh bien, confier tous les chrétiens qui sont seuls dans le milieu là où ils se trouvent. Parfois, il peut arriver qu'on peut avoir la foi et on est soit le seul de sa famille, le seul au travail, le seul dans son cercle d'amis. Et nous pouvons prier afin que voilà, ces personnes puissent devenir de joyeux témoins de la foi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Et à la transfiguration, les cieux se sont ouverts et la voix du Père s'est fait entendre. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, si je ne me trompe pas. Et c'est beau de voir cet amour du Père pour le Fils. Et pour cette dizaine, nous pouvons confier toutes les familles qui sont déchirées, qui parfois se déchirent pour des histoires d'héritage ou encore pour des histoires dont on ne sait même plus pourquoi on est fâché, afin que le Seigneur puisse déposer la paix dans tous les cœurs et que la réconciliation revienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Pour ce mystère, pour cette dizaine, nous pensons à tous les chrétiens qui sont persécutés, tous ceux qui vivent leur foi dans des conditions déplorables, qui n'ont plus la liberté d'annoncer Jésus ou encore d'aller à la messe librement. Je pense aux pays comme l'Inde, le Pakistan et bien d'autres, afin que le Seigneur puisse être leur force dans ces moments difficiles, que le Seigneur soit leur consolation et leur joie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, prions les trois derniers « Je vous salue Marie » avec une grande foi et particulièrement le premier pour ceux qui sont peut-être kidnappés, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent en ce moment, afin que le Seigneur opère dans ces situations désespérées un véritable miracle et les sauve des mains de leurs ennemis. « Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions également pour ceux qui vont être les martyrs de ce temps, qu'ils aient la force, le courage et que leur témoignage et leur sang soient féconds pour notre temps. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et prions pour leurs bourreaux, pour la conversion de ceux qui sont les ennemis de la croix, les ennemis du Christ, les ennemis de la vie, qu'on ait des saints Paul à travers eux. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Chers amis, restez avec nous. Nous allons entrer dans les mystères douloureux. Continuons la prière, comme il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme une huile qui descend sur la barbe, sur le col des tuniques. C'est le psaume qui nous dit cela. Et oui, parce que grâce à cette fraternité, cette prière unie, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, nous dit Jésus, il est au milieu de nous. Alors, il fait bon d'être dans la présence de Jésus. Nous allons continuer, pour toutes vos intentions, toutes ces choses que vous portez, ces choses lourdes que vous n'avez peut-être dit à personne. Le Seigneur, lui, les connaît. Donc, confions-lui, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tourmente, et il vous donnera sa paix. Et c'est Alberto qui va méditer les mystères douloureux. Amen. Entrons dans ces mystères douloureux et je vous invite, frères et sœurs, maintenant à déposer cette situation désespérée à Jésus souffrant, car c'est dans ses meurtrissures que nous trouvons la guérison. Prenons quelques secondes d'offrande de ces situations avec confiance et foi parce qu'il est présent.
Merci Seigneur, car tu recueilles en tes outres nos larmes. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. Voilà que Jésus a besoin d'être soutenu. Il prend ses trois apôtres un peu plus proches de lui et il les entraîne avec lui dans ce lieu où il avait l'habitude d'aller, de prier. Il avait besoin d'être soutenu. Et là, il va souffrir, il va agoniser, il va souffrir à cause des péchés des hommes. Il va porter l'intensité des péchés du monde en sa personne, lui qui est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Et il va souffrir pour nous tous, au point que sa sueur va devenir des gouttes de sang. Prions, frères et sœurs, pour tous ceux qui aujourd'hui, peut-être vous aujourd'hui même, souffrez l'agonie. Vous êtes au bout du rouleau. Peut-être, voilà, vous n'en pouvez plus. Et vous demandez que cette coupe s'éloigne de vous. Eh bien, nous allons demander ensemble à Jésus agonisant de vous redonner l'espérance. Et nous demandons, eh bien, que tous ceux qui souffrent de dépression, de désespoir, qui n'ont plus goût à la vie, puissent trouver par cette dizaine, cette prière, le miracle de la vie et de l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que Jésus est flagellé. Sa chair et part en lambeaux devant les coups enragés de ses bourreaux. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est sous nos yeux. Il est venu nous libérer du péché, porter sur lui nos péchés. Eh bien, prions. Prions pour que Jésus, pendant cette dizaine, nous donne la force de fuir le péché et de quitter les situations, les zones de péché qui sont parfois pour nous, eh bien, des situations désespérées. Ça fait peut-être des années que nous sommes liés à un péché. Peut-être nous vivons dans l'impureté, dans l'adultère, peut-être dans le mensonge, dans l'avarice. Nous avons idolâtré l'argent, nous sommes addicts aux jeux d'argent ou à des jeux ou à toutes sortes de choses, à de l'alcool ou à des substances. Voilà, nous perdons finalement quelque part dans telle ou telle chose qui a de l'emprise. Eh bien, nous allons demander au Seigneur la délivrance, que ça soit une dizaine de délivrances pour nous, et qu'enfin, eh bien, nous puissions vivre libres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines de Jésus. Voilà que Jésus est si petit, si pauvre, entouré de ses bourreaux. Et ils vont lui mettre cette couronne, cette grosse couronne d'épines, et ces épines vont lui traverser, voilà, son crâne, son sacré, sa tête sacrée, lui qui est la tête de l'Église, lui qui est vraiment la tête de l'univers, qui a tout créé. Durant ces dizaines, eh bien, prions. Prions pour tous ceux qui ont eu eux aussi, injustement, ont porté des couronnes d'épines pour tous ceux qui ont été victimes de sévices, peut-être même dès leur plus jeune âge, de violences, qui ont été abusés et qui aujourd'hui sont toujours la tête baissée, écrasés sous le poids de cette couronne d'épines, qui se sont vus voler leur innocence. Demandons à Jésus, qui a porté cela aussi, eh bien, leur guérison, leur délivrance, leur libération, leur consolation. Il n'y a qu'un miracle qui vient d'en haut, qui peut faire cela, mais il est venu pour cela, le Seigneur, et il est capable de le faire. Alors confions-les, et particulièrement, eh bien, confions aussi leurs bourreaux, ceux qui ont été, qui ont abusé, et que le Seigneur, avec grands cris, grandes larmes, leur apporte un esprit de supplication et de conversion, afin qu'ils soient également sauvés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Jésus, qui est déjà à bout de souffle, va devoir gravir cette montée jusqu'au Golgotha. Et ça paraît presque insensé, ahurissant. Il est à bout de souffle, il a vécu la flagellation, il a été couronné d'épines. Et en plus, on lui met cette croix lourde sur le dos et on lui demande de marcher jusqu'au lieu de son supplice pour qu'il y soit crucifié. Mais imaginez-vous, et en plus, entouré d'une foule, voilà, qui le méprise. Mais quelle infamie, quelle souffrance. Eh bien, frères et sœurs, Jésus a accepté cela pour nous. Lorsqu'il portait cette croix, il pensait à toi, à tes croix. Quand tu tombes, il est tombé avec toi pour que tu sois relevé par lui.
Il a tout porté par amour pour nous. Eh bien, Seigneur, alors que, vous savez, en ce moment, on est à peu près presque 5000 en connexion simultanée de tous les continents. Est-ce que vous croyez que durant cette dizaine, Dieu peut impacter nos nations à travers Marie? Croyons que la foi, petite comme un grain de sénévé, peut déplacer des montagnes. Ça veut dire que ça peut déplacer une nation. Ça peut amener même la transformation d'un gouvernement. Ramener des denrées élémentaires là où il y a des famines. Dieu a ce pouvoir et il nous demande la foi grande comme un petit grain de sénévé, de moutarde. Eh bien ensemble, avec la foi qui vient de Marie, parce que peut-être même nous, on n'a même pas cette foi de grande comme un petit grain de sénévé, mais Marie, elle l'a, c'est certain. Eh bien on va demander un renouvellement de nos nations. Et on sait que le Seigneur va opérer. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ô bon et très doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Jésus a déclaré, « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a été élevé en plein midi, eh bien même le soleil, voilà, eh bien a disparu. Parce que le véritable soleil de justice était élevé. Vous vous rendez compte que la création s'est agenouillée devant lui. Même le soleil s'est voilé la face parce qu'il était face à son créateur. C'est tellement grand, c'est tellement fort. Et la parole de Dieu nous déclare que qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Eh bien, frères et sœurs, tournons notre regard vers Jésus crucifié, notre Créateur mis à nu devant nous. Et nous allons prier particulièrement, eh bien, pour ceux qui souffrent des situations désespérées dans leur corps et qui sont, eh bien, malades, peut-être de maladies incurables, de cancers, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, voilà, qui souffrent, qui sont peut-être en ce moment, vous êtes alité dans votre lit ou à l'hôpital, ou vous priez pour des personnes qui ont ces situations-là. Voilà. Eh bien, nous allons demander à Jésus, dans cette dizaine, d'apporter un esprit de vie, de guérison, de résurrection, et puis de force aussi, pour tous ceux qui, peut-être, ne seront pas guéris, mais qui auront la force, avec le Christ, d'aller jusqu'au bout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Merci Seigneur pour ce chapelet et j'aimerais vous partager une image avant d'aller jusqu'au mystère glorieux. Vous savez, lorsque on est stressé ou on est dans une situation de crainte, on s'agrippe, on s'accroche. Et en fait, le rosaire, c'est exactement ça. Regardez un petit peu comment est fait le chapelet. C'est une corde avec eh bien, des petites boules qui sont attachées les unes en dessous des autres. C'est un peu comme si, vous savez, les cordes avec les petites boules où on essaie de monter, vous savez, on s'accroche à espèce de nœud et puis on essaie de monter. Mais juste que ça, c'est trop difficile de monter nœud après nœud, parce qu'il y a besoin de notre force. En fait, eh bien, lorsqu'on prie le rosaire, la Sainte Vierge nous dit seulement « Priez, accroche-toi au rosaire, accroche-toi à cette corde au nœud. » Et à chaque « Je vous salue Marie », eh bien, c'est elle qui t'attire vers le ciel. Chaque « Je vous salue Marie », eh bien, te fait faire un pas de plus vers, eh bien, ce ciel qui nous attend. Alors oui, c'est Marie qui a les bras suffisamment grands et forts pour, eh bien, tirer tous ces petits des situations désespérées. Donc, on peut s'accrocher au rosaire avec une grande confiance. Amen. Amen. Et nous allons donc clôturer ce beau rosaire avec les mystères glorieux. Et juste avant eh bien, que nous commencions, moi je voulais confier particulièrement tous ceux qui eh bien, comment dire, sont désespérés dans leur travail, pour qui le travail est devenu difficile, soit parce qu'ils sont en recherche d'emploi, soit parce que eh bien, leur situation peut faire faillite. Et particulièrement un monsieur qui a malheureusement eu un cambriolage et qui eh bien, se désespère, se décourage. Eh bien, espère et prends courage, parce que oui, on va s'agripper au rosaire, au chapelet, et le Seigneur est bon, et il va vraiment refaire fleurir ce qui a été dérobé. Alors, confions maintenant toutes nos intentions dans ces mystères de la gloire. Bonsoir à tous. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Fruit du mystère, la foi. J'avais à cœur qu'on puisse se remémorer un petit peu dans quel état devaient être les apôtres avant cette résurrection, donc quelques heures avant, quelques minutes avant. Ils devaient être terrassés, accablés par ce qu'ils avaient vécu,
parce que l'on on leur avait rapporté aussi, parce que tous n'ont pas vu Jésus sur la croix. Et je me disais, mais dans quel état il devait être, quelle douleur aussi. Marie, elle, avait cette espérance chevillée au cœur, cette foi aussi, dans le silence du samedi saint. Et j'ai vraiment envie qu'on puisse lui demander cette grâce à la Vierge, cette grâce de la foi, même dans les situations difficiles où tout semble vraiment fini, perdu, c'est trop tard, c'est voilà, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, qu'on ait vraiment la grâce de la foi de croire que la joie de Pâques, la joie de la résurrection, elle est promise et elle est vraie. C'est la vérité. Elle est pas, c'est pas une illusion. C'est pas pour nous faire plaisir. C'est pas pour aller nous rassurer, ça ira mieux. Non, c'est vrai. C'est vraiment ce qui arrive pour chacune de nos croix. Il y a la résurrection parce qu'on la vit avec Jésus et Marie. Alors voilà, demandons cette grâce de la foi. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus au ciel. Fruit du mystère, l'espérance et le désir du ciel. Alors on s'imagine, Jésus est ressuscité, les apôtres bien sûr sont heureux de retrouver leur maître, leur bon maître, mais voilà que Jésus s'en va leur préparer une place au ciel et ils regardent voilà, Jésus s'élever dans les cieux. Et parfois je me dis, certains ont dû se dire, mais comment on va faire? Enfin, ils nous demandent d'aller répandre l'évangile, mais nous on est faibles, on a peur des Romains, on a voilà. Et je me dis, mais quelle responsabilité, quelle mission qui peut parfois même écraser, qui a pu les écraser un instant. Mais Jésus nous fait confiance, leur fait confiance et leur dit, mais allez par toutes les nations, proclamez l'évangile. Et je me dis, voilà, parfois dans certaines de nos situations difficiles, accablantes, on se dit, mais Seigneur, moi je ne suis pas capable, je ne peux plus, je n'y arrive pas, j'ai vraiment besoin de toi, viens, reviens Seigneur Jésus, et on le veut tous, Maranatha. Mais le Seigneur nous dit, mais moi j'ai confiance en toi, moi je te fais confiance et tu peux y arriver. Voilà, l'espérance c'est vraiment une vertu très importante, surtout dans les moments que nous traversons, que nous vivons. Alors demandons cette vertu de l'espérance à la Sainte Vierge Marie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Maintenant et à l'heure de la mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur Marie et les apôtres. Le fruit du mystère, c'est bien sûr recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint avec tous ses dons, tous ses charismes, tous ses fruits. Et tout à l'heure, je vous disais, voilà, les apôtres, ils devaient quand même être, enfin, pas très rassurés. Voilà, Jésus s'en va. Alors, bien sûr, ils ont la joie de la résurrection. Mais on voit que, voilà, quand ils vont à attendre le Saint-Esprit, ils sont enfermés, voilà, dans un lieu clos. Et je me dis, voilà, ils devaient quand même être, enfin, pas très rassurés pour certains. Ils n'avaient pas encore reçu la force de l'Esprit-Saint. Et donc, plein de menaces étaient autour d'eux, plein de dangers. Ils étaient peu nombreux. Et pourtant, ils se tiennent là durant 9 jours. Voilà, ils attendent, persévérant dans la prière avec Marie qui est là. Marie qui est toujours là, avec les apôtres, un petit peu craintifs peut-être. Et puis, voilà, l'Esprit-Saint arrive et ce feu embrase leur cœur et les pousse à faire ce qu'ils étaient incapable de faire avant, aller prêcher, voilà, au milieu des Juifs, des Romains, sans crainte, sans peur, prêts à mourir pour Jésus. Vous vous rendez compte, voilà, de passer d'un état, voilà, si craintif, si peureux, apeuré, à un état d'apôtre zélé, embrasé. Eh bien, cet Esprit-Saint, on l'a reçu à notre baptême, pour certains à leur confirmation, et à notre confirmation, et donc c'est important de l'invoquer chaque jour. Dans les situations où nous pouvons ressentir, voilà, la peur, parce que voilà, on est tétanisé, paralysé, on ne peut plus agir, on ne sait plus quoi faire. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, parce qu'il ne nous fera jamais défaut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous donne son Esprit Saint, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. J'avais à cœur dans cette dizaine particulièrement de prier pour toutes les personnes qui sont affectées par le deuil, voilà, par la perte d'un être cher. C'est souvent difficile lorsque l'on traverse ces situations-là, ces épreuves. On sait bien sûr que ça fait partie de la vie, voilà. Et quand on est chrétien, on a la grâce de savoir que ce n'est qu'un passage, ce n'est pas la fin, voilà. La mort n'est pas la fin, puisque Jésus est ressuscité. Et voilà, dans cette dizaine, j'avais à cœur qu'on puisse demander la grâce de vivre ces moments-là avec la Vierge Marie, parce qu'elle est celle qui nous accompagne. Elle-même, quand elle a été élevée au ciel, elle n'était pas seule. Elle était, la tradition rapporte, voilà, qu'elle était avec certains des apôtres peut-être certains des apôtres étaient peinés, voilà, de se dire notre mère a rejoint le ciel. Mais dans toute croix, il y a la gloire. La gloire était là puisqu'elle vivait son assomption. Vous vous rendez compte, cette créature toute humble, toute petite, élevée corps et âme au ciel. Alors voilà, je voudrais vraiment qu'on prie pour toutes les personnes endeuillées, affectées par cela, qui ont du mal à s'en remettre. Voilà, confiez-vous à Marie, accrochez-vous à elle. Et je prie vraiment que maintenant, vous soyez consolés, recouverts de son manteau, pour qu'elle puisse vous apporter tout réconfort et toute consolation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Fruit du mystère, un grand amour pour Marie, une grande dévotion envers elle. Alors voilà, nous avons pu traverser les moments de la vie de Jésus et de Marie, et nous voyons donc qu'on traverse des moments de joie, des moments lumineux, et puis bien sûr on passe par des croix. Ce soir on a prié ce rosaire pour les causes les plus désespérées qu'on peut traverser. Et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse terminer ce rosaire en demandant à la Vierge Marie de toujours garder sa main, de toujours nous accrocher à elle par le rosaire, par le chapelet, parce que c'est elle qui nous montre voilà, ce qui nous attend au ciel, cette couronne. Parce que frères et sœurs, si nous persévérons, si nous tenons ferme dans l'épreuve, si nous nous accrochons à cette espérance que voilà, tout n'est pas fini, qu'il y a toujours, toujours la gloire après la croix, eh bien, cette couronne,
Elle nous attend, frères et sœurs. Elle est déjà prête. Elle nous attend au ciel. Le Seigneur l'a déjà préparée pour nous. Et la Vierge Marie est vraiment notre maman qui veut que nous nous accrochions. Voilà, elle ne veut pas que nous baissions les bras. Elle compte sur nous pour réveiller notre monde. Et voilà, dans toutes nos situations de détresse, confions-nous à elle et elle nous répondra et elle nous donnera la force. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous arrivons à la fin de ce beau rosaire. Eh bien, chers amis, merci Seigneur, nous étions 5000 rassemblés ce soir pour prier ces mystères joyeux, douloureux, lumineux, douloureux, pardon, et glorieux. Et comme l'a dit Emeline, je crois que chacun de nous, notre vie, eh bien, on passe par des moments joyeux, douloureux, lumineux. Mais c'est prophétique ce rosaire, parce que je crois que chacun d'entre nous, nous finirons notre vie dans la gloire. C'est la plus grande des grâces à demander. Et donc, prions chaque jour le rosaire, parce que, eh bien, c'est prophétique. Et nous avons la grâce de la victoire sur notre vie, ainsi. Alors, chers amis, rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces de ce soir. Je crois qu'elles seront très abondantes. Et effectivement, nous allons prier la prière à Saint-Joseph. Et je vous en dis un peu plus juste après. Pour la petite annonce. Saint Joseph, en cette année qui t'est consacrée, nous nous confions vers toi avec confiance. Prends soin de nos familles ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends et nous te remercions d'avance. Amen. Notre-Dame, Mère de la Lumière, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et continuez notre prière. Sainte Rita, Sainte Rita pour les causes espérées, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et avant que Lucie vous partage les annonces, j'avais encore une chose à vous partager que j'avais à cœur de vous dire. Je pense que certains peut-être ont encore une intention, enfin une personne qu'elle porte, que vous portez encore. Eh bien, je vous invite, on va dire un dernier « Je vous salue Marie » et on va offrir quelqu'un d'autre. Ça ne va pas être notre cause désespérée, mais la cause d'une personne que nous connaissons. Et je vous invite à écrire dans le chat son prénom. Si vous n'avez pas l'accès au chat, vous pouvez dire son prénom. Mais nous allons comme ça offrir à Marie, avant de se quitter, eh bien cette personne. C'est elle qui va gérer. C'est elle qui va s'en occuper. Alors voilà, on vous laisse quelques secondes pour écrire eh bien, les prénoms dans le chat. Et puis ensuite, on pourra chanter un dernier « Je vous salue Marie » tous ensemble et confier eh bien, cette cause désespérée qui n'est pas la nôtre, mais celle d'une personne eh bien, qu'on a à cœur ou des personnes. Et Marie eh bien, se fera une joie de vous décharger de ce fardeau. Moi, je confie Muriel, sa famille aussi. De Marc et Marie-Jo, famille de Martial, puis également Hélène et sa famille, Gilles et sa famille, Adriana et sa famille. Moi je confie François. Moi je confie mon papa. Je confie les prêtres. Je te confie les pauvres, Seigneur. Seigneur, je te confie les malades. Merci Marie de recueillir dans tes mains toutes ces personnes, toutes ces causes désespérées. Qu'elles ne soient plus pour nous un fardeau qui nous écrase, mais une espérance, parce que c'est toi qui vas gérer. Et tu es infaillible. Tu es notre mère. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, de tes entrailles.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai confié les prêtres. C'est pas une cause désespérée, les prêtres, mais c'était parce que c'est bien de prier pour les prêtres. Voilà. Oui. Je voudrais juste partager parce que avant le rosaire, on a eu à cœur de piocher une petite parole de Jésus à Sainte Faustine parce que c'est sa fête aujourd'hui, et on est tombé sur cette parole-là. Alors, je voulais vous la lire. Jésus dit à Sainte Faustine, « Parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde si tu veux me faire plaisir. » Et effectivement, je crois que pendant ce rosaire, Jésus nous a comblés de grâce. Il nous a vraiment comblés de ses bienfaits, de sa miséricorde, de ses consolations, de son espérance, de sa paix. Alors maintenant, à nous d'être vraiment porteurs de ces grâces-là autour de nous et que le Seigneur bénisse tous nos proches. Et c'est une invitation à prier le chapelet de la miséricorde, peut-être. Tout à fait. Si tu veux dire. Oui. Le chapelet à la miséricorde, tout à fait, que Jésus a confié à Sainte Faustine. Et si jamais vous ne le connaissez pas ou que vous voulez le prier avec d'autres, et ben vous pouvez aussi le retrouver sur notre chaîne. On l'a prié cet après-midi et puis vous le trouverez en live sur notre chaîne. On va mettre le lien dans la description. Voilà, dans le chat, ça, pour que vous puissiez prier ce beau chapelet. Il y a beaucoup de grâce. Eh bien, chers amis, un grand merci pour cette prière. Tous ensemble, unis, nous sommes plus forts et nous attirons ainsi les bénédictions de Dieu sur cette terre qui en a tant besoin. N'hésitez pas à nous écrire un témoignage si vous le désirez, des grâces reçues lors des chapelets que nous prions chaque jour et lors de ce rosaire ce soir. Donc témoigner, c'est important, ça permet de rendre grâce à Dieu et puis de montrer aux autres l'action de Dieu dans notre propre vie et ses sources d'édification pour les autres. Donc c'est tout simple, pour envoyer son témoignage, il suffit de se rendre sur le site NDML et vous avez un onglet témoignage. Mais je pense que Jean-Baptiste vous a mis le lien direct dans la description sous le chapelet. Merci Jean-Baptiste. NDML.fr. Et n'hésitez pas également, pour ceux qui viennent pour la première fois, à vous abonner à cette chaîne. C'est bien sûr gratuit. Ça vous permet, en mettant la petite cloche, d'avoir accès aux nouvelles vidéos, nouveaux lives de prière tous ensemble. Parce que c'est vraiment la famille de la Notre-Dame Mère de la Lumière. Donc c'est comme ce groupe de prière qui se retrouve régulièrement. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et liker ce rosaire, cette vidéo, pour que YouTube le diffuse largement. Mettez ce petit pouce, comme ça, YouTube va le proposer à d'autres. Et d'autres, à travers votre petit pouce, si vous avez bien sûr apprécié la vidéo, sinon on ne le mettait pas, vont rencontrer la Vierge Marie et Jésus, et peut-être prier ce rosaire et voir leur cause désespérée devenir périmée, expirée. Voilà. Date de péremption de la cause désespérée. Seigneur. Amen. Le prochain rosaire sera le mardi 2 novembre. Merci Marthe. Et on se retrouve demain à 19h30 pour le prochain chapelet aussi, comme chaque soir, heure de Paris. Yeah. Mystère glorieux. Eh bien, chers amis, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous disons à demain, 19h30, dans la joie. À demain. Soyez bénis. À demain.